Je vais vous donner 8 raisons de mettre de l'ail dans votre alimentation tous les jours, sachant que cela changera votre vie. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Que nous partageons minimum 2 vidéos chaque jour. La consommation quotidienne d'ail peut nous aider à améliorer notre digestion et à mieux absorber les nutriments des aliments que nous ingérons. Cet aliment optimise également les fonctions du pancréas et du foie. La consommation d'une gousse d'ail au quotidien peut nous apporter de nombreux bienfaits. Nous vous invitons donc à découvrir ici après les vertus de cet aliment naturel médicinal. En numéro 1, l'ail améliore la circulation sanguine. L'ail est très riche en vitamine B, un composé essentiel qui réduit les niveaux d'homocystéine. Cette substance endurcit les vaisseaux sanguins et nous génère donc de nombreux problèmes. La consommation de l'ail nous épargne vraiment de tout ceci. Les hauts niveaux en homocystéine font que le sang est plus épais et provoque ainsi l'apparition de caillots. Il y a un plus grand risque de souffrir d'une thrombose. Plus le niveau d'homocystéine est élevé, plus il y a de probabilité de souffrir de maladies des artères coronaires. La consommation d'une gousse d'ail à jeûne peut nous aider à lutter contre ces problèmes. En numéro 2, c'est un antibiotique naturel. Sa consommation régulière nous aidera en effet à renforcer le système immunitaire, guérir les infections légères, favoriser la cicatrisation des blessures, soigner les grippes et les rhumes. En numéro 3, il est bon pour le foie. L'ail est avant tout un excellent détoxifiant de l'organisme. Il nous aide à purifier les toxines, à éliminer les parasites et à libérer le corps des métaux lourds comme le mercure ou les restes de médicaments que le foie ne peut pas transformer. Il est riche en vitamines A, B et C qui sont très adaptées pour stimuler les fonctions hépatiques. L'ail a la vertu de désenflammer, d'où le fait que la consommation d'une gousse d'ail par jour soit excellente si l'on souffre d'un problème de foie gras, entre autres. Si vous vous levez chaque matin avec les yeux enflés, le visage gonflé et une mauvaise haleine, il est possible que votre foie soit surchargé. Dans ce cas, l'ail peut vous être d'une grande aide. En numéro 4, il est un bon décongestionnant. Vous avez des problèmes pulmonaires? Si vous faites partie des personnes qui attrapent tout le temps un rhume et qui ont des bronches pleines de glaire et de muqueosité, ce remède va vous être d'une grande aide. C'est un bon décongestionnant et un excellent antibiotique naturel pour traiter les problèmes pulmonaires. Si vous souffrez de sinusite ou que vous passez par une période de toux, vous pouvez vous faire des vapeurs ou préparer un sirop à base d'ail. En numéro 5, il prend soin de notre peau. Le fait de manger une gousse d'ail chaque jour à jeûne nous permet d'avoir une belle peau. Il est en effet riche en antioxydants qui nous permettent de protéger et de régénérer la peau. Il stimule le renouvellement cellulaire et combat l'acné. Pour bénéficier de ses propriétés, il vous suffit simplement de consommer une gousse d'ail à jeûne suivie d'un verre d'eau. En numéro 6, il réduit les niveaux de cholestérol. Il contient de l'allicine, une substance thérapeutique qui prend soin de notre système cardiovasculaire.
à tel point qu'une gousse d'ail chaque jour peut permettre de réduire le mauvais cholestérol de 9%. Quand on parle de mauvais cholestérol, généralement, on parle de l'excès de cholestérol sanguin, mais plusieurs préfèrent l'appeler mauvais cholestérol. De fait, la Fondation espagnole du cœur recommande d'en consommer pour réduire ce cholestérol en excès dans le sang, mais aussi comme un remède purifiant, antiseptique et antibactérien. Vous souffrez d'anémie? Alors, n'oubliez pas de consommer l'ail chaque jour. De nombreuses femmes souffrent d'un déficit en fer. Pourquoi est-il bon de consommer de l'ail régulièrement? Il augmente nos défenses et nous protège de nombreuses maladies. Il prend soin de notre sang et lui apporte des vitamines et des minéraux. L'ail stimule les jus gastriques et nous permet de mieux digérer le fer. L'ail prend soin de notre appareil digestif. Il ne s'agit pas de manger une gousse d'ail entière chaque jour. La clé se trouve dans l'équilibre et dans le fait de bien connaître son corps. En réalité, si l'on s'habitue à manger de l'ail comme un médicament chaque matin, nous remarquerons ses bienfaits en quelques jours. Les digestions s'amélioreront nettement. L'ail stimule les acides gastriques et permet de mieux absorber les nutriments. Le foie et le pancréas optimisent leurs fonctions. Quand n'est-il pas bon de consommer de l'ail de manière régulière? L'ail est un anticoagulant naturel. Ainsi, si vous prenez un médicament à cette fin ou que vous avez des problèmes de saignement, mieux vaut éviter sa consommation quotidienne. Si vous souffrez d'hyperthyroïdie, évitez de consommer de l'ail chaque jour à cause de sa haute teneur en iode. Si vous prenez des médicaments pour le cœur, évitez de consommer de l'ail chaque matin. Maintenez un équilibre, n'en consommez pas à l'excès. Et devant n'importe quel doute, consultez toujours votre médecin pour savoir si cela peut interagir avec vos médicaments en fonction de ce que vous consommez. Alors mes amours, voilà, si vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez continuer à voir d'autres vidéos à ce sujet, likez cette vidéo, commentez-la et surtout partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse aider bien d'autres. Et aussi, s'il vous plaît, j'aimerais savoir le pays depuis lequel vous me suivez afin que je vienne laisser un cœur sur ce beau pays depuis lequel vous me soutenez. On se retrouve dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous, bye bye.